Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo d'ouverture de mes calendriers de l'Avent, donc la case 15 aujourd'hui, parce qu'on est le 15 décembre. Plus que 10 jours avant Noël, ça y est, enfin, on s'en approche. Donc voilà. Alors, la case 15, donc désolé je bug, je sais pas pourquoi. La case 15, ah oui, j'avais dit qu'elle était assez grosse, donc je sais pas ce que c'est dans celui-là là. Ah bah d'accord, c'est une petite tablette. Et bah aujourd'hui il va y avoir dégustation parce que on est samedi, je suis pas au travail et il est 11h, je crois 11h20 j'ai l'impression. Donc il va y avoir dégustation de petites tablettes. Donc c'est avec une petite étoile, trop mignonne. Et on voit que le chocolat Milka il a chaud, il en a marre d'être au sol. Donc voilà, Milka. Trop bon. Même quand je le mange hors caméra, hein, il est trop trop bon ce chocolat. De toute façon, le chocolat Milka, c'est le meilleur, alors forcément. Avec Kinder. C'est les deux meilleurs chocolats. Donc en attendant, je vais repousser de Milka, donc ça va finir. Et je vais prendre le Schlesch. Donc voilà, c'est la case 15. Je me demande ce que ça peut être. Alors c'est parti. Ça y est, j'ai fini mon chocolat. Donc voilà, hein, je ne sais pas ce que c'est. Vous l'avez vu. Maintenant, c'est à moi de le voir. Oups! Non, non, la case 17, c'est lundi. C'est pas maintenant. Oh. Ah, forcément, un petit décor. Donc, le petit ruban que, sûrement dans la scénette, du coup, va gagner Mélodie avec la jument qui est là lors d'un sûrement concours de saut. Donc voilà, bon, je m'attendais à ce que le ruban arrive un jour, hein, même si c'est un peu léger, bon bah d'accord. En plus je crois qu'on peut... Oula, désolé, je vous ai fait tomber, comme on dit, je vous ai fait tomber, puisque j'ai fait tomber mon téléphone. Ah, je crois qu'en plus on peut l'accrocher, désolé, je vous montre un peu n'importe quoi. On peut l'accrocher, donc il est comme ceci. Si le focus veut bien se faire, voilà. Par contre, je sais pas ce que c'est au milieu. Oh, c'est rien en fait. Je pensais que c'était quelque chose. Et il est comme ceci à l'arrière. Donc, on peut soit, à mon avis, le faire tenir par une personne à Schlesch. Soit peut-être le faire tenir sur un harnachement. Donc, on va essayer tout de suite avec... bah tiens, avec Vegas et Laurine. Voilà, c'est Laurine qui monte Vegas. Donc, on va essayer avec eux. Normalement, je pense qu'à mon avis, on doit pouvoir le mettre sur... carrément l'harnachement du cheval en fait. Bon, on va le mettre sur les rênes. Voilà. Donc ça tient sur l'harnachement des rênes. Bon, ça tient à peine, hein, je pense. Ouais, ça tient à peine. Mais ça tient sur l'harnachement des rênes. Donc voilà, Vegas. Comme si qu'il avait gagné un prix avec, avec sa cavalière Laurine. Voilà. Oups, ils sont tombés. Et bon, le prix aussi, du coup, est tombé. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est un beau petit truc, bon, un beau, on va dire c'est un petit truc, hein, voilà, c'est un peu léger aujourd'hui, mais enfin, c'est pas très grave, ça va. Alors, maintenant, la récapépète, alors, hop, petit chouchou, tu descends, je pense que vous avez deviné à quel objet Schlesch je parlais quand j'ai dit petit chouchou. Si vous n'avez pas deviné, c'est que vous n'avez pas regardé la vidéo d'une de mes cases. Hop, et viens Mélodie, tu fais partie de la récapépète. Donc
pour l'instant, j'ai eu ça dans le calendrier de l'Avent. Donc, je vais présenter un par un, même si ça prend du temps. Ça commence à bien prendre du temps, hein. Voilà, ça commence à bien prendre du temps. Mais c'est pas grave, on va y aller. C'est parti. Alors, donc ici, nous avons le petit poney Shetland, mini Shetland Simba. Voilà. Donc, je les range à chaque fois. Enfin, je les remets à chaque fois. Ici, nous avons... Donc, je les prends... Maintenant, je les prends au hasard. À part Simba, je ne sais plus trop qui... Enfin, qui était dans la case tel jour. Voilà. Donc, ici, nous avons la mini... Enfin, la mini... La pouliche Diva. Trop chouchou. Trop mignonne. Donc, Diva parce que... j'ai choisi ce nom-là parce que... Enfin, à l'aide d'une abonnée. Parce que elle m'a proposé plein de noms et dont le nom Diva et j'ai choisi ce nom là parce que c'est une des juments de mon club, voilà tout simplement. D'ailleurs j'espère que je vais pas la monter parce que c'est une jument caractérielle qui est pas possible. Bref, ensuite bon bah des autocollants hein. Un peu inutile mais bon c'est pas grave, on en a chaque année dans le calendrier, encore des autocollants, inutile, c'est pas grave. Ensuite, la cavalière, donc Mélodie, qui à la fin va monter cette jument. J'ai déjà une idée pour le nom, je sais déjà comment je vais l'appeler, mais je vais pas vous le dire maintenant. Pour l'instant, elle est sur Lolita. Mais après, elle va aller sur la jolie jument qui est là. Ensuite, nous avons l'assiette et le verre. Nous avons donc le prix, mais ça c'était aujourd'hui. Ensuite, là nous avons trois cases réunies, donc les pommes, les carottes et la cagette. Là nous avons deux cases réunies avec les brosses de, enfin les brosses là, les deux brosses qui sont là-dedans et la caisse de pansage. D'ailleurs en parlant de brosses et caisse de pansage, il faudrait peut-être que je m'occupe de la mienne pour tout à l'heure l'équitation. Bref, donc voilà. Ensuite. Le joli petit hérisson, mais trop chouchou, hein. Voilà, c'est pas un bug chouchou, hein. C'est vraiment qu'il est vraiment trop mignon, voilà. Je vous laisse l'admirer, hein, tellement il est beau. Je le kiffe trop, enfin franchement c'est mon coup de cœur de ce calendrier. Je pense que tout le monde a compris, on va le mettre sur les petites pommes. Ah non mais ça fait vraiment trop mignon. Regardez le truc que j'ai fait là, il est sur les pommes. Vous trouvez pas que ça fait trop mignon sur les pommes là? Le petit hérisson sur les pommes, il est vraiment trop chou. Dites-le moi dans les commentaires si vous trouvez ça trop mignon, le hérisson là sur les pommes. Je trouve ça juste trop chou, ce que je viens de faire. Donc je vais le laisser comme ça. Ensuite, la table, quand j'ai une table Playmobil, bah, ça fait le même bruit que quand ça tombe. Les tables Playmobil, quand on les met comme ça, ça tombe. Enfin, ça tombe comme ça, ça fait le même bruit, bref. Donc ça, en fait, c'est vraiment une table Playmobil, quoi, quasiment. Hein. En fait, ils ont pris une table Playmobil, ils ont mis Schlage dessus, c'est... Voilà. Bref. Et ensuite, le petit gâteau ici. Enfin, petit cupcakes. Voilà. Ok. Ah, mais arrête, table de merde. Désolée pour le gros mot. Et pour demain, la case, elle est comme ça. Alors, je ne sais pas du tout ce que je vais avoir, franchement. Alors, je serai très contente d'avoir soit le chat, soit le lapin. Mais on verra demain. Et donc pour le Milka, donc la case 16 et tout là-haut, je pense à une papillote. Oups, je ne montre pas. Je pense à une papillote comme j'ai eu hier. Enfin après ça peut être d'autres couleurs. Bref, voilà. Donc sur ce, la vidéo va s'arrêter là. On se retrouvera demain pour la vidéo de la case 16 de mes deux calendriers de l'Avent. Et sur ce, je vous laisse et je vous fais d'énormes bisous. À demain. Bye.